Ce qui m'a frappé déjà, c'est le support plaquette qui était en fait un échange autour d'une motte de terre entre plusieurs agriculteurs, et ce n'était pas du matériel. Et donc déjà, ça donne le ton, quoi. Durant toutes ces assemblées générales, là où j'ai été surpris, c'est cet échange sur, après les interventions en fait, sur comment faire autrement, quoi. Comment améliorer nos sols. Et puis, ce travail de groupe. Qui a été que j'ai ressenti en fait ce besoin de se retrouver dans des groupes associatifs et qui permettent de mutualiser beaucoup. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que si on veut passer des caps et trouver des systèmes beaucoup plus robustes, on sait de toute façon qu'il va falloir réduire de façon drastique les charges de mécanisation. Et donc les CUMAS sont au cœur de cette problématique-là et ont toute leur place. Avec un nouveau matériel, on teste des choses et c'est la CUMA qui en fait qui finance le temps, le travail et le coût du matériel sur ce test-là. Donc c'est dilué, on dilue les risques pour progresser et améliorer le système pour tout le monde en fait. L'important, c'est de fédérer et d'avoir des animateurs et des techniciens qui puissent justement emmener le groupe et par le biais de l'outil de la CUMA. Donc je pense que ça, il faut peut-être encore plus le dynamiser, se rapprocher encore plus éventuellement d'autres OPA pour éventuellement aller chercher des personnes compétentes pour les aider dans l'agronomie. Dynamiser encore plus la communication peut-être, ce qui est déjà fait, mais encore plus sur l'intérêt et l'opportunité que l'on a pour baisser les charges de mécanisation qui sont une nouvelle fois l'élément fondamental dans les prochaines années pour les structures agricoles.